Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la correction de l'exercice 40 de la page 163. Alors, vous allez me dire, oh non, cet exercice-là, j'ai vraiment pas envie de le faire, la dernière fois que je l'ai vu, il était super compliqué, j'ai galéré à le trouver, vraiment, c'est pas une bonne idée. Vous avez tort, je vous explique pourquoi. Parce que cet exercice est beaucoup plus facile, pour deux raisons. La première, le 39 de la page 163, vous l'avez fait, vous avez vu ma correction, donc vous avez appris beaucoup de choses. Notamment, si jamais vous ne vous souvenez plus ou si vous voulez des approfondissements, vous avez le lien juste au-dessus qui apparaît, vous pouvez retourner la voir. La deuxième raison est que contrairement à l'exercice 39, pour lequel la fonction qu'on étudiait était une fonction, allez, pas compliquée mais pas très simple non plus, une fonction rationnelle, un quotient de type U sur V, celle-là, vous allez voir la fonction qui va apparaître, elle va vous plaire parce que vous connaissez même plusieurs méthodes pour la traiter. On va donc faire une correction express. Accrochez-vous, c'est parti. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Je vous rappelle, quand on voit ça, on analyse le texte. Et qu'est-ce qu'on remarque? Dans l'analyse de texte, il y a des mots importants. La question est, quelles sont les dimensions du rectangle pour que son aire soit maximale? Donc, on cherche une aire maximale pour avoir les dimensions d'un rectangle. On a, en plus de cela, une donnée dans un problème. On sait que le périmètre sera de 24 cm. Je ne vais pas m'attarder, comme je l'ai fait sur la vidéo précédente, sur le fait qu'on peut avoir un périmètre constant et une aire qui varie. Tout comme dans l'exercice précédent, on avait un périmètre qui varie à aire constante. Faites des tests, vous verrez, on peut très bien avoir ça. Donc là, le périmètre il est constant, on sait qu'il est égal à 24 cm. Du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez comment j'ai commencé, mais quand bien même vous ne vous en rappelleriez pas, qu'est-ce qu'on fait sur un exercice de géométrie pour commencer? Un dessin. Donc faisons un rectangle, hop, un rectangle, et ce rectangle-là, appelons les côtés X et Y. Vous pouvez les appeler A et B, comme je l'ai fait dans l'exercice précédent. Ici, il se trouve que ce ne serait pas une bonne idée. Je vous expliquerai pourquoi lorsque nous verrons la fonction apparaître. Donc nous avons ce rectangle, avec des côtés x et y. Bien, écrivons ce que l'on sait. Nous savons que le périmètre vaut 24 cm. Alors, c'est quoi le périmètre qui vaut 24 cm? Alors, j'écris la donnée du problème. Le périmètre, il vaut 24 cm. Pour l'instant, je vais m'extraire des données de l'unité, je vais la mettre de côté. On va juste garder en mémoire que c'est des centimètres pour plus tard. Je vais juste écrire égal à 24 pour une question de commodité. Qu'est-ce qui vaut 24? Eh bien, je vous rappelle, sans vous faire offense tout de même, que le périmètre d'un rectangle, vous devez évidemment ne vous avoir aucune difficulté avec ça, c'est 2 fois la valeur x plus 2 fois la valeur y que vous pouvez avoir écrit différemment, ce n'est pas important. Donc, j'ai traduit ma donnée que 24, c'était 2x plus 2y. Bien. Ensuite, je cherche la fonction r pour savoir quand est-ce qu'elle est maximale. C'est quoi l'aire d'un rectangle? Là non plus, difficulté pour personne. L'aire d'un rectangle, c'est petit côté fois grand côté, x fois y, que j'écris xy. Ici, comme dans l'exercice précédent, j'ai deux variables. Une fonction à deux variables, ça ne me plaît pas. Mais j'ai tout ce qu'il me faut juste au-dessus pour ne plus en avoir qu'une de variable. Pourquoi? Comment est-ce que je fais ça? Je vais l'écrire autrement, juste à côté. Je vais l'écrire 2x plus 2y est égal à 24. Vous conviendrez que c'est rigoureusement la même chose. Si ça ne vous était pas clair, faites une pause, réfléchissez 10 secondes, vous allez voir, c'est pareil. Moi, ce que je veux, c'est plus que soit x, soit y. Donc, je veux remplacer x ou y. Bon. Par habitude, j'aime bien garder les x dans les fonctions, donc je vais remplacer y et je vais me dire y vaut combien. Alors, dans ces cas-là, je passe le x de l'autre côté. Y égale 24 moins 2x. Je divise par 2 des deux côtés et j'obtiens 12 moins x. Bien, y égale 12 moins x. Donc, je vais prendre ce y-là et je vais le remplacer là-dedans. Je vais donc très rapidement tomber sur une aire qui n'a plus qu'une seule variable, x fois... Et y, je le remplace donc par ce que je viens de trouver, 12 moins x. Et là, je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que cette fonction est un polynôme du second degré. Tout à fait. Je développe et j'obtiens. Alors,
je vais écrire moins x carré plus 12x. Si ça n'était pas clair, faites là encore une pause et vous allez voir que vous obtenez la même chose. En réalité, j'ai 12x ici et ici j'ai moins x carré. Donc j'ai juste ordonné de telle sorte que on ait un ordre qui corresponde à celui des polynômes du second degré. C'est tout ce que j'ai fait. Bon, pourquoi A et B n'étaient pas une bonne stratégie pour appeler les côtés? Vous allez vous en rendre compte tout de suite maintenant. Parce que déjà, j'ai l'air qui est A. Donc ici, j'ai une fonction que je peux appeler A de x. A de x, et je sais que A de x vaut, donc c'est un polynôme du second degré, moins x au carré plus 12x. Si j'avais appelé ma variable A, j'aurais eu A de A. Bon, c'est pas très élégant. Vous comprenez que y a plus simple. Mais il y a un deuxième problème, c'est que dans un polynôme du second degré, ça, je m'intéresse souvent au coefficient. Et comment va s'appeler le coefficient devant le x carré? Ben, A aussi. Donc en fait, je vais avoir plein de A. Ce qui n'est pas un problème dans l'absolu, hein. Il faut juste que vous soyez dans ces cas-là vraiment concentré sur ce que vous faites et que vous ne confondiez pas les différentes valeurs. On peut appeler par la même lettre différentes choses, ce n'est pas ce qu'on conseille. Évidemment, dans ces cas-là, vous pouvez être clair, mais moi, ce que je vous conseille, si jamais ça arrive, et ça peut très bien arriver, puisque vous ne pouvez pas deviner à l'avance, si vous avez appelé A et B, que ça allait se produire, effacez juste tranquillement les petites lettres que vous utilisez et remplacez-les, les A par des X, tout sera beaucoup plus simple. Bien, parenthèse terminée. Voici un polynôme de second degré, je vais donc écrire que c'est un polynôme de second degré, avec A qui vaut moins 1, B qui vaut 12, et C qui vaut 0. Voilà, maintenant j'ai mon R et je vais chercher quand est-ce que cet R est maximal, puisque telle est la question que l'on me pose. Eh bien, j'ai un polynôme du second degré. Donc, la première méthode est d'utiliser les fonctions polynômes du second degré. Voilà une bonne nouvelle. Alors, polynôme du second degré, comment est-ce qu'on fait pour savoir où est le maximum? Alors déjà, ne serait-ce que par souci de cohérence, vérifions que je n'ai pas fait n'importe quoi. Je vous rappelle qu'un polynôme du second degré, c'est une parabole, et que je ne sais pas pour l'instant s'il y a 0, 1 ou 2 racines, à vrai dire, je n'en aurai aucune utilité tant que je ne le saurai jamais, mais je sais que A, le coefficient ici, là, il est négatif. Ça veut dire que, peu importe où elle se situe, ma parabole, elle sera à l'envers, elle fera la tête, mais elle sera dans ce sens-là, puisqu'elle est négative. Ce qui me rassure, j'aurai donc bien un maximum. Donc, a priori, je ne me suis pas trompé. Si par hasard, j'avais un A positif, j'aurais dû m'inquiéter, il y a une erreur quelque part. Bon, il est atteint où, cette valeur? Ah ben, elle est atteinte ici, là, en alpha. Et ici, la valeur de l'air, ce sera bêta. Donc, ici, j'ai la valeur de mon côté x. Et ici, j'ai l'air de mon rectangle en fonction de x. J'aurai ce type de polynôme, de parabole. Donc moi, la question qu'on me pose, c'est les dimensions du rectangle, donc la longueur de x. Donc la seule chose qui m'intéresse, c'est savoir combien vaut alpha. Réponse, alpha égale moins b sur 2a. Ici, b égale 12. Donc j'ai moins 12 sur 2 fois moins 1 sur moins 2. Réponse, 6. Là, le maximum est atteint lorsque la longueur vaut x vaut 6. J'écris donc ça. X est égal à 6 cm. Et je peux trouver y immédiatement. Comment? Bah, regardez, ici, là. J'ai une relation entre x et y. Je n'ai plus qu'à remplacer x là-dedans et j'obtiens directement y. 12 moins 6, y égale 6 cm. 6 plus 2 fois 6, 24. A priori, on ne s'est pas trompé. La valeur de l'air, qui fera 36 cm, ne nous intéresse pas vraiment. On ne nous la demande pas. On a terminé. Facile, efficace, polynôme du second degré. Très bien, rien à redire, vous avez réussi. Évidemment, certains d'entre vous voient bien où je veux en venir. Nous sommes dans un chapitre sur les dérivés, des fonctions dérivées. Et donc ici, on n'a pas du tout utilisé les fonctions dérivées. On n'en avait pas du tout besoin, on pouvait faire parfaitement autrement. Mais vous vous doutez bien que les concepteurs ou conceptrices des énoncés, elles, eux, souhaitaient que vous utilisiez les fonctions dérivées. Alors, c'est la deuxième méthode. Faisons un gros marche arrière, un gros ménage, et regardons qu'est-ce qui se passe. Alors,
C'est reparti pour la deuxième méthode, ce coup-ci avec les fonctions dérivées. J'ai fait un peu de ménage, tout est clair, j'ai réécrit les deux choses dont je vais avoir besoin. Le lien entre y et x ici, pour pouvoir, une fois que j'ai x, retrouver y. Et surtout, la formule de notre r qui est là et qui va nous servir. Je veux savoir quand est-ce que cette r est maximale. Comment je fais en général pour savoir quand est-ce que l'r est maximale? J'étudie les variations de l'r. Et pour étudier les variations de l'r, j'utilise le signe de sa dérivée. Je pourrais même ne pas étudier complètement ces variations, mais utiliser une propriété, et d'ailleurs c'est ce que je compte faire, qui dit que on a un extrémum, ici un maximum, lorsque la dérivée s'annule et change de signe. Je vais donc calculer la dérivée, voir quand est-ce qu'elle s'annule et elle change de signe. J'aurai parfaitement ce qui m'intéressera, à savoir la valeur pour laquelle l'r sera le maximum. Alors, la dérivée de cette fonction, c'est vraiment très simple. Appelons-la a' de x. La dérivée de moins x carré, moins 2x. Et la dérivée de plus 12x, 12. Qu'est-ce que je sais de cette fonction? Ben, c'est une fonction affine. Vous savez que c'est une droite. Le coefficient directeur est négatif. Donc j'aurai quelque chose comme ceci. Donc ma droite, elle sera d'abord positive, puis négative. Entre les deux, elle vaudra 0. La question, c'est où? Je vois bien qu'elle vaudra 0 à un moment, qu'elle s'annulera en changeant de signe, en passant de plus à moins. Pourquoi? Parce que c'est une droite. Le coefficient directeur négatif. J'ai donc tout ce qu'il me faut. Il suffit juste de trouver la valeur où elle s'annule. Bon, ça, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est même encore plus simple que d'étudier le polynôme, puisque j'ai juste à résoudre 2x plus 12 est égal à 0, ce qui me donne x est égal à, après un tout petit peu de calcul, 6. Je passe le 12 de l'autre côté, je divise par moins 2, c'est vraiment simple. Bon, sans surprise, je retrouve la même chose et j'ai terminé. Je sais que ma dérivée s'annule en x égale 6, puisque je viens de faire quand est-ce que a' de x est égal à 0, ce que je viens de me demander. Je viens de voir qu'il est égal à 0 lorsque x vaut 6, et je sais également qu'elle change de signe, cette dérivée. Elle s'annule et change de signe en 6, il y a donc un maximum en 6. C'est terminé. C'est à peu près aussi rapide, c'est à peu près aussi simple. Vous choisissez la stratégie qui vous intéresse. Voilà, deux méthodes. Ici, avec le x égale 6, évidemment, pour terminer, je reviens à ça. Je réinjecte le 6 comme tout à l'heure. Je trouve donc y égale 6 cm. Même conclusion, même chose, tout va bien. Vraiment, vous pouvez passer d'une méthode à l'autre sans aucun problème. C'est vous qui choisissez. Mais puisqu'on est là, ce que je vous propose, c'est de montrer pourquoi est-ce que notre valeur de alpha vaut moins b sur 2a. Ça, dans le cours sur les fonctions du second degré, la démo, elle n'était pas à faire. Et maintenant, vous voyez bien qu'on a une autre méthode. Peut-être bien que le fait que la dérivée soit utilisée va nous donner des informations sur ce qu'est vraiment alpha. Alors, si vous êtes curieux et que vous voulez savoir d'où ça vient, ben, je vous invite à rester. Sinon, à bientôt. Vous êtes toujours là, quelle bonne idée. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on a vraiment trouvé alpha et bêta. À vrai dire, alpha, c'est moins b sur 2a, vous l'avez pris par cœur, mais d'où il vient ce moins b sur 2a? Eh bien, regardons. Et au lieu de dériver une fonction polynôme précise, dérivons donc une fonction polynôme de degré 2 quelconque. Prenons une fonction polynôme de second degré, f de x, qui est égale à ax carré plus bx plus c. Jusque-là, vous n'avez pas de surprise. Dérivons-la, et on va obtenir donc, quoi donc, que la fonction dérivée sera 2 fois a fois x plus b, et quel que soit c disparaîtra, puisque c'est une constante. Donc, peu importe la valeur de c, j'aurai toujours la fonction dérivée de f qui vaudra 2ax plus b. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que 2ax plus b? C'est toujours une fonction affine. Je devrais faire un dessin, ce sera plus clair pour tout le monde. Donc, si je prends un système d'axes, j'ai deux choix. Soit ma droite, elle est décroissante, soit ma droite, elle est croissante. Et dans ces cas-là, lorsqu'elle sera égale à 0, j'aurai deux choix. Si elle est croissante, elle aura été négative puis positive avant de passer par 0, donc elle aura bien changé de signe.
Et si elle est décroissante, elle aura été positive, puis négative, avant de passer par 0, donc elle aura bien changé de signe. Donc dans mes deux cas, j'aurai bien une fonction f', une droite affine, qui s'annule au petit point rouge et qui forcément change de signe. Donc c'est bien l'endroit où mon polynôme du second degré il sera maximum ou minimum, c'est là où j'aurai mon extrémum. Bah, c'est quoi cet endroit? C'est lorsque f' est égal à 0, c'est-à-dire lorsque 2ax plus b est égal à 0. Vous le voyez arriver le moins b sur 2a, parce qu'il arrive tout de suite. 2ax est égal à moins b, et x est égal à moins b sur 2a. C'est pas beau ça? Vous venez de me prouver à l'aide des fonctions dérivées qu'il ne peut y avoir qu'un seul endroit où une fonction polynôme du second degré obtient un extrémum, qu'il soit maximum ou minimum, c'est en une seule valeur de x, et cette valeur de x vaut moins b sur 2a, que l'on appelle alpha. Voilà une jolie démonstration qui n'est pas au programme, mais que désormais vous pouvez faire encore grâce aux fonctions dérivées qui décidément sont vraiment puissantes. À bientôt!